Shalom Alechem. Alors on est dans Tomer Devora, on est dans Yechvosh Avodatenu. Qu'est-ce que ça veut dire Yechvosh Avodatenu? Il prend les péchés et il les macère. Il macère les péchés. Ça veut dire qu'il prend les péchés, okay, et il attend avec. Le kovesh, c'est macérer. Maîtriser, qu'est-ce que c'est, traduction de maîtriser, qu'est-ce que ça veut dire mal maîtriser, qu'est-ce que c'est de maîtriser, de tcholet à lèvres, non, tu prends un péché et si tu le mets à la tente, ça veut dire que tu le macères, mais si maintenant tu maîtrises, ça veut dire que tu, après tu maîtrises, excusez-moi, après tu maîtrises le péché, après, et pour l'instant qu'est-ce que tu fais, tu attends, il attend. Ça ne veut pas dire que le bonhomme, lui, maintenant qu'il a transgressé le Shabbat, il va recevoir tout de suite la punition. Il ne va pas donner la punition tout de suite. Il attend que le bonhomme, il fait tchouva. Il attend que le bonhomme, lui, il se prend en main. Il ne veut pas maintenant tout de suite. Ça, Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, ça va être très clair. Ça va être très clair parce que la présence divine, elle va être très claire. La présence divine, elle va être là. On lui dit, le Rav, אלא הקדוש ברוך הוא גובה חוב העבירות משלם שכר כל המצוות הקדוש ברוך הוא כסקיפה לוי איל תו לעבירות כל הבונום איל פה איבא לפייה זה דפנקן הקדוש ברוך הוא נתן תו מצוות כל הבונום איל פה הקדוש ברוך הוא איבא לא רקומפנסה והיינו ירבו שמרתנו שאין עבודות מתגברים לפניו כמצוות אלא כובש אותם שלא יעלו ולא ייכנסו עם היות שהוא משגיח עמדה כאיש הטוב והרע עם כל זה הטוב אינו כובשו. זאת אומרת, אם הפקו מוסי האפסי אין מצווה אבק לנברה. אני לא מנפה אין מצווה, אני מנפה אין מעבירה. ידי סיבון כזה שיש בפר. כמובן מזוות הטוב שעוד בי 36, כמובן לעבירות שפה 34, alors on va éteindre tous les lעבירות, on va se voir, il va rester deux מצוות. הקדוש ברוך הוא יפה כזה, אלא פורע ועולה עד למאוד, ונכלל מצווה ומצווה ונבנה ממנו בניין ולבוש נכבד. יפחנתו למצוות, אתו לתורה כלא מלפה, יקומנס אברודה, שזה כנראה, כלבי, אחרי עשרה ותם, כאן קיץ ומונדלה, יפחן ענות לבוש, ענות אבי. זה את רבי, זה את אבי למנון ולברוד. כמו דו לברוד, וכשק תורה, שק מצווה כתופי. הנאום כלבי, לפי מצווה, אנקור ענות פי. כן? Après, Bezat Hashem, après 120 ans, ça s'appelle ça, Chalukah de Rabbanan. Après 120 ans, il va enlever cet habit. Et on va lui donner son habit. Son vrai habit. Il y en a qui sont nus. Ils n'ont pas des habits. Ça s'appelle Neshamot Artilain. Des Neshamot qui sont nus. Et ceux-là, ils ont la honte de leur vie, comme on dit. L'Archuma. Pourquoi ils ont la honte? Parce qu'ils vont voir leurs amis qui sont avec des habits et eux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont nus. Et quand Akadosh Baruch Hu, lui, chaque mitzvah, chaque Torah, chaque maasetov, tu brodes ton habit, va avoir note, en la em segula zo et la kovesh otam. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il prend les péchés et il les macère. Vel shelo yatzlichu atzlacha zo velo ikansu pnima. Avec ces mitzvot. Tu montes et tu montes encore une autre mitzvah, encore une autre mitzvah, encore une autre mitzvah, que juste que tu peux arriver même sous le tronc divin. Ahmida Zot Sarich, maintenant le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette qualité-là et il nous explique comment un homme, lui, il doit se comporter. Ahmida Zot Sarich Adam Idnaegba, Shelo Yechosh Tovat Chavero, Veiskor Ahato, Shegemalahu. Alors regardez, un homme, lui, il a fait des bonnes choses. Une femme, elle a fait des bonnes choses avec son mari. Le mari, il a fait des bonnes choses avec la femme. Il ne faut pas que l'homme, il oublie. Parce que des fois, ça va très vite. Une chose qu'elle a fait, on ne peut pas qu'elle a fait des choses très, très, très graves au niveau de tzniut. Là, tout cela, c'est à gérer avec les rabbinés. Je ne parle pas de ça. On parle que des fois, elle s'est mal comportée. La belle-mère, la belle-fille, la belle-sœur, tout ce que vous voulez. Elle s'est mal comportée. Et le bonhomme, lui, il tient rancune. Et tu as oublié que toutes les bonnes choses qu'elle a faites, il ne faut pas les macérer et les mettre de côté.
il faut macérer les mauvaises choses et les mettre de côté. Et là, Adraba, il revoche à l'avishkeheu, il macère, il le pient, il le prend, la, tout ce qu'elle a fait, tout ce que son copain il a fait, de côté négatif, et de ne pas oublier qu'est-ce qu'il a, les bonnes choses qu'il a fait. Veaznireu, lo yagou mi peu, mi megorora, tiye atova sdura tamil efanav. יזכור לו הטובה ויגברה לו על כל המעשים שעשה לו ולא ינקה בליבו לאמור אם עשה לי טובה הרי עשה לי רעה וישכח הטובה לא יעשה חן. זה בדיוק כל בונומי, פופק יסמין על התת, תשאי איזה בונומי, כזה כאילו לפה, אילה פדיו את השוז מל, אילה פדיו את השוז ביה. אלא הוא עפה כיף כיף, דקור? פה כיף כיף, הוא בא יפסה סולה יסולה, וזה בון, זה סופר עוד דובר. C'est comme ça chez l'égoïme. Eh bien, ça, c'est l'égoïme. Chez nous, c'est pas comme ça. Il faut, Moshe Rabbeinu, le fleuve. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait, le fleuve? Le fleuve, il a tué les enfants d'Israël. Le fleuve, lui, maintenant, c'était l'idole des Égyptiens. Et Moshe Rabbeinu, quand le Bokhou, il a dit, Moshe, tape le Nil. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est parti vers Aaron, il a dit à Aaron, mon frère, tape le Nil. Pourquoi? Mais tu as eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais j'ai l'ordre d'Akadosh Baruch Hu aussi d'être reconnaissant vers quelque chose qui m'a pu tenir. Il n'y a pas une vague qui m'a noyée. Et là quoi? Il y a mon frère qui va accomplir la mitzvah. D'accord, la mitzvah est accomplie. Mais par contre, moi, j'ai le devoir d'être reconnaissant. Il nous dit, le Rav, tu ne vas pas prendre maintenant les mitzvot et les averot que maintenant ton copain il a fait, ou ta femme, etc., il a fait vers toi. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu mets les mitzvot en face de toi, et tous les averot qu'il a fait, il s'est mal comporté vers toi, tu les mets de côté. Ça, oui, tu les mets de côté. Comme ça, quand tu vas te comporter vers ton prochain, tu vas te comporter d'une façon reconnaissante. Et la Béraa yitratse kol terech ritsui shiyuchal va tova al yaznichen al eolam mi ben enav v'yalim eno min ha'ra'a kol ma shiyuchal. Le Rav il dit jusqu'à, ça veut dire ça à l'extrême, ça veut dire tous les mauvais côtés, toutes les mauvaises choses qu'il a fait, tu les mets de côté. Toutes les bonnes choses, si tu veux maintenant que Kadosh Baruch Hu lui se comporte avec toi comme toi. Comme quand tu vas maintenant vers le fleuve et tu te regardes et tu vois que c'était toi, tu veux que quand tu souris, eh ben, le fleuve aussi te sourit. Comme ça toi aussi maintenant. Okay? Si tu veux qu'il te sourit, il faut que toi tu souris aussi. Quand tu te souris et tu souris les gens qui sont en face de toi, tu te comportes avec eux comme il faut, et bien même Akadosh Baruch Hu va se comporter avec toi comme il faut. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, comme ça, voilà qui dit Perashti. Le tête, il dit, mais t'as chier, mais t'as chier, kol chatotam. Qu'est-ce que ça veut dire, mais t'as chier, mais t'as chier, kol chatotam? Tu vas prendre tous leurs péchés et tu vas les jeter dans le fleuve. Zom, il a tova, chad la kadad bakou, chare, Israël, chatou, massaram, et yad, paro, vechav, vichouva. Quand Israël, ils ont fauté, qu'est-ce qu'il a fait à la kadad bakou? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris, il les a mis, il les a donnés vers paro. Et paro, lui, il les a pris et il leur a fait leur fête. 400 ans ou 210 ans, ça dépend comment on compte. 210 ans, ils étaient esclaves de Pharaon. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'esclavage? Esclavage, c'est pas comme nous on croit. Liberté. Aujourd'hui, nous on croit que esclavage, même en Inde là-bas, il y a des esclaves. Mais l'enfant, lui, il naît esclave. Il fait des choses rien que pour avoir un morceau de pain. Il fait des choses incroyables. À l'époque, les esclaves, ils n'étaient même pas considérés. Ça veut dire qu'ils pouvaient faire de lui qu'est-ce qu'il veut à chaque instant. À chaque instant, ils pouvaient faire de lui qu'est-ce qu'il veut. Maintenant, une chaise, c'est une chaise. Une table, une table. Il dit, le goy, il dit à l'Israël, mets ta main comme ça. Il met sa main comme ça. Et il met un bol bouillant. Parce que maintenant, il veut poser son bol. Même ça brûle sa main, bien, il doit rester comme ça, sinon il est fracassé. Esclave, c'est un rien, c'est un ustensile.
C'est une des raisons pourquoi en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas de force de riposter les Erevra. Quand Erevra, ils sont venus, ils ont dit ils veulent faire un idole pour revenir en Égypte, Amisraël ne pouvait pas riposter. Ils disent à Kadosh, Amisraël, ils n'ont pas fait la faute. Ils n'ont pas fait Avodah Zara. Qui c'est? Ils disent à Kadosh, c'est le Erevra. Amisraël, ils n'avaient pas de force de riposter. Alors pourquoi Hachem a été si mauvais? Parce que sauf, il fallait au moins faire montrer que tu n'es pas d'accord. Même que tu n'as pas de force, tu dis, moi je ne suis pas d'accord. Dis, tu vois des choses dans la vie. Si tu même tu n'as pas la force de riposter, tu n'as pas la force de répondre. Pourquoi? Parce que tu es un petit, tu es frileux, tout ce que tu veux. Mais dans toi-même, tu dis, je ne suis pas d'accord. Ani mohé. Comment?